sûr, elle sera présentée en intégralité et elle sera présentée désormais sur un pan légèrement incliné pour des raisons de conservation. Ce pan incliné étant forcément une ligne linéaire, droite, de 70 mètres de long et qui nécessite la création d'un bâtiment spécifique pour accueillir la tapisserie. La tapisserie de Bayeux ne sera plus soumise à l'architecture, c'est l'architecture qui doit se soumettre à cette présentation linéaire sur un pan incliné destiné à soulager les fibres de la tapisserie qui, rappelons-le, est un textile millénaire.